Salut bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario Odyssey. C'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on s'est laissé dans ce monde magique qui s'appelle le Pays de la Mer. Et mon petit bonhomme est en train de crever de froid. Plutôt crever de chaud, oui. Crever de froid ici, what the hell. Qu'est-ce qu'il y a en train de dire là, Polo? Anyway, on a plein, mais vraiment plein de lunes à aller chercher. On peut jouer au volleyball à nouveau, mon pote. Hurrah. Non, moi je veux pas jouer à ça, voyons donc. Donc, cette lune, tu peux pas aller la chercher pour l'instant. Et pour aller en haut ici, il y a tellement de lunes à aller chercher dans ce monde, c'est pas croyable. Ah, ah ben ouais, ok, ouais. C'est parce qu'il y avait un tableau. Bon, il faut que j'aille tout en haut là-bas, mais pour ce faire, il faut que je prenne un autre chemin. Je peux pas le faire tout de suite. Alors, ce que je vais faire là, c'est aller chercher les lunes qui sont là-bas. Yo, il y a tellement de lunes, c'est pas incroyable. Mais avant tout, je crois que j'ai vu quelque chose autour d'ici. Ah, une graine! D'accord. Si je me rappelle bien, il faut amener la graine tout en haut là-bas. Vous avez pas chaud avec vos soutes, les boys? Yo, ils sont crazy dans la tête, oui! Aha! Ok, got you! Donc, je dois revenir plus tard pour aller chercher la lune. Et le X a disparu, ce qui est very good. Bon, on va commencer à aller chercher les lunes qui sont là-bas. Ah! Je crois que j'ai vu quelque chose d'intéressant. Pas du tout ce que je pensais là, mais bon. Ah! En tout cas, il y en a même pas. Bon, alors, c'est ici. En haut du poteau? Est-ce que je peux grimper? Ben oui! Je suis pas en train de faire quelque chose de cochon, hein? Je vous dis tout de suite. Attendez. Non! Ah! J'ai totalement foiré mon coup. Ok, faut que je trouve un moyen de faire un grand pan sur le poteau parce que j'ai vu quelque chose comme de brillant. Mais c'est dur! Pas aussi simple que ça. Fuck, Mike! On va là-bas. Hein? Mais ça brille! Oh, chapeau! Me semblait que ça pouvait pas être aussi dur que ça. Voyons donc! C'est Chico, la lueur à côté du phare. Ok, good. Donc, maintenant, il faut aller faire ceci comme ça. Quand même simple. Plongeon! Wouhou! Pays de la mer athlétique, tac 3. Yes! Et maintenant, ok, on va aller dans le tunnel ici. Pendant ça, j'ai cru que mon chapeau était un ennemi. Ah, je devrais dire casquette, c'est une casquette. Chapeau, casquette. À chaque fois qu'on change de costume, là, on change de mot. Parce que parfois on porte des casquettes, parfois on porte des. Des chapeaux, là. J'aime ça, là. Eh non, non, non. Yo, c'est juste que ces ennemis, ils m'énervent! Tombe! Je peux pas le faire tomber? Ok, maintenant je suis safe, c'est good. Il me semble qu'il y avait une autre ligne ici. Ok. Laisse-moi aller ici. Pardon. Perfecto! Je me demande, est-ce que je peux aller les chercher avec ma casquette? Ah ben oui, ok. J'ai complètement oublié ça, voyons donc. Cela veut dire que je peux juste faire ça comme ça. Ha! Ok, mais là, l'autre lune se retrouve où exactement? Peut-être.
suis en train de tourner la caméra ici et là, mais je trouve pas... Parce qu'il y a deux lunes ici, ouais, il y a deux lunes à aller chercher. Oh shit, ça m'a fait mal, oui. Ok, attends. Première lune. Exploration du labyrinthe pivotant. Et là, ce qu'on va faire, c'est se diriger en haut. On devrait voir plus de trucs. Je suis quasiment sûr. C'est en bas ici. Je suis quasiment sûr de ça. Ici, il n'y a pas de plateforme. C'est bon. Vous savez quoi? J'y vais. Ouais, j'y vais. J'ai rien vu. Ce qui est vraiment bizarre. À moins qu'il faut que je tue tous les ennemis, est-ce que c'est possible? Ouais! Ok. C'est quoi? Bon, et voilà. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre lune. Alors je suis obligé de faire ça. D'accord. C'est bon. Call in the bin. Ok, on va aller là. Ici, Pepito. Voilà. Next! Oh shit! Viens ici! Yo! Il y a une tête de ce gars-là! Ah! Vous avez vu le jeu de mots? Ça dit que je suis drôle. J'arrête de faire mon con. Attends, là il y a un cœur ici. C'est pour ça qu'il y a un cœur! C'est pour nous dire yo! Il faut que tu ailles tuer tous les petits bonhommes et là tu vas recevoir un cœur! Une lune! Attends. Non! Aïe! Oh! Non! Je l'avais pas vu tout à l'heure! Ah! Mais c'est en tuant les ennemis que j'ai vu ça! Ok. L'affaire, c'est que j'étais tellement concentré à aller chercher les pièces de lune que je n'ai pas regardé s'il y avait des trous dans... Comme... En dessous des plateformes pivotant. Ah! My goodness! Ma concentration était ailleurs. En gros, c'est ça. Voyons donc, mon petit polo. Mais bon, anyway, ce n'est pas si grave que ça. Et maintenant, on va posséder un petit poisson. Il faut se diriger là-bas. Il y a du money ici. C'est pas comme si j'en ai vraiment besoin. Par ici, hein? C'est quoi? Attendez. Non, ça vibre pas, mais. Rien. Peut-être c'est encore plus bas. Il y a comme une ouverture dans la grotte. Quelque chose comme ça, hein? Regardez comme quelque part. Ah ben oui, je vois. Non, je vois pas de garde. Oh! Non, ça peut pas être... la porte, hein. Non, je suis déjà rentré là-dedans et ça, c'est complètement autre chose. C'est quoi? Quoi? Non, ils ont rien pour moi, voyons donc. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Si vous voyez quelque chose, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que ça pourrait me servir plus tard si je ne trouve pas la lune. Non? Ok, il y a sûrement un trou quelque part. Il y a sûrement un trou quelque part, les boys. Ah, non, le trou est pas là. Peut-être en bas ici? What the fuck? Est-ce qu'il y a de quoi ici? Non, il y a juste des pièces. Je suis en train de m'égarer, hein. En bas ici, ouais, j'ai déjà pris la lune, je m'en rappelle. À moins que c'était des pièces. Ah! Ok, non, mais ça, c'est une autre lune. Ça sent pas rapport. À l'ouest du boulevard sous-marin.
Moi, je cherche une grotte, man. Monstre de Loch Ness, non? Yo, je suis en train de comme... de m'éloigner de mon objectif. Mais c'est où? À moins que c'est... c'est dans le ciel. Au beau milieu de nulle part, c'est pas possible. Attendez, attendez. Avec quoi? Non, moi je vois rien. Yo, je crois que ça c'est la lune la plus difficile à aller chercher, hein. Ça devrait être devant moi, mais je ne la vois pas. Exactement. Ici, genre. Soit je suis aveugle, soit c'est une lune vraiment dure à aller chercher. Ce monstre m'a fait peur pendant la leçon. What the hell? C'est comme là-dedans. Ben, c'est comme là-dedans, mais... c'est nothing. Oh, attendez. Ah! C'est ici! C'est pas sur une plateforme! Et... je pense toujours que c'est sur une plateforme et pas sur un endroit isolé comme... oh! Oh. Ben voilà, ok, whatever, whatever. Ce qui est fait est fait. Nous avons trouvé ce qu'on voulait. Alors, c'est Tigidou. Je crois que... maintenant, je vais juste suivre les X à la perfection. Je vais pas chercher comme des grottes ou des trucs comme ça. Comme ici. Non, il n'y a pas de... il n'y a pas de vibration dans la manette. Cela veut dire que c'est quelque part ici. Ça, c'était pas là auparavant. Ok, ça vient sûrement de la roche lunaire, hein? Ouais. Ouais, ok, 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 ok. Fallait aller ici après que je comme détruis la roche lunaire. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Course en hâte dans le dédale. Bon, maintenant, ouh, j'ai quand même enlevé tous les X qui sont là, hein. Je vais me diriger là, au milieu de la plateforme. C'est faire. Faut que j'aille là. Yo, je dois me noyer, hein. Mais, yo, est-ce que t'as vraiment utilisé les casquettes pour venir ici, ma belle? Is you crazy? J'aime beaucoup le sentiment de cette pluie géante au soleil couchant. C'est romantique, hein, la mer immense qui toujours recommence. La marée a déposé une lune à mes pieds. Elle est à toi, je te la donne. Merci beaucoup. Ça m'est jamais arrivé, mais merci beaucoup. Peach au pays de la mer. Ben, she crazy, hein? Ce pays couvert de neige était absolument glacial et en même temps si chaleureux, ses habitants avaient l'air heureux. On va y aller next time. Alors là, est-ce que je devrais aller là? Quasiment sûr qu'il y a... ah! Ben oui, il y a une lune tabarnak. Ça, ça vient de la roche lunaire. Le sentiment dans la flûte. Ok. Il y a pas de chose. Je suis déjà allé là-dedans, je le sais. Alors, non, non, non. N'est pas entré. Non, 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 non. Je sais à 100% que je suis déjà allé là-dedans. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller en bas ici. Oh! Oh, shit! J'allais la manquer! Un détail de la flûte! Wouh! Y'a pas autre chose, hein? Non, y'a pas autre chose. Very, very good. Ça, y'a rien. Bon. En arrière. Ah! Si t'es perdu, non problème, il suffit d'ouvrir la carte avec. Ok. C'est. Je vois le lapin, là. Je vais aller chasser dans quelques instants, mais. Colin! Ok, c'est quelque part ici. Donc, en haut. Il n'y a rien. Alors, c'est dans l'eau. D'accord, c'est dans l'eau. Pas un peu trop rapide. Ok, ok. Pépito, tu m'obliges à aller chercher ceci. Ah! Wouh! Mais, est-ce qu'il y a un passage dans l'eau qui va me permettre d'aller en bas? Ah.
J'aurais dû posséder un poisson quand j'y pense. Ah! Coffre au trésor du palais de la flûte! Ils veulent tous me manger, c'est quoi leur problème? Calmos, les amigos! Maintenant, ok, on a terminé d'aller chercher toutes les lunes-ci. On va chercher ça pour se faire reprendre ce mec-là! Ah, ok, la note, c'est bon! Sérieux? Je la sens pas celle-là. En fait, non, je la sens celle-là. Very, very good. Ok, c'était pas si pire que ça. On n'aurait pas pu le faire en argent. Il nous fallait vraiment les petits poissons. Course en note dans la mer. Ok, very good. Maintenant, oh, je me rappelle quand il y avait tellement de X partout. Maintenant, on a quasiment tout enlevé. C'est une exagération, mais vous savez, il faut se motiver un peu. Là-bas. Course à la coupa. Je vais faire ça plus tard. Pour l'instant, je vais aller chercher les lunes qui sont là. Ok, c'est bon. Donc, y en a-t-il en haut? Il y en a pas en haut. Alors, tout est en bas. Sphinx? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? What? He crazy. Parlons. Salutations, voyageurs. À toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses? Car j'ai des questions. Je suis en train de me noyer, mais ce n'est pas si grave que ça. Ben, en fait, je suis pas en train de me noyer parce que je suis en train de parler avec la maison. Donc, allons-y sans plus de cérémonie. Comment s'appelle cet endroit? Shit! C'est pas tactile, c'est pas la rebelle, c'est pas Pétion. Territoire théropode. What? Attends, ok, ok, ok. Tranquille, tranquille, je vais la voir. La rebelle! Ah! Attends, Pétion, c'est pas dans le pays. Le pays où il y a comme un aquarium là et tout, toutes les sirènes et tout? Non? Au colporteur de bonne réponse, avance car le passage t'est ouvert! Parce que je suis en train de me noyer là. Une chance? Ah, ok. Je suis plus en train de me noyer maintenant. Quel beau trésor! Merci beaucoup! Le cache sous-marine de Sphinx. Maintenant, il faut reparler avec lui. Il faut lui donner des réponses. Et j'ai le droit de rater autant de fois que je veux. Mais bon, c'est un test que je ne peux pas faire. Je peux seulement l'avoir à 100%. Bon, allez, let's go. Combien de fontaines de monstres 1 Cupid a-t-il scellé? Pardon, 4. Oui, c'est exact. Et par l'exact, le prodige au voyageur. Je suis tout disposé à te poser une troisième question au voyageur. Au voyageur, lorsque tu te chapimorphoses en poisson rouge, que peux-tu faire en secouant les... les lamanettes pro A. Ok, poisson rouge quand je fais ça? C'est faire des bulles. Ah! Ok, vous savez quoi? Il y a des poissons juste à côté. Let's go les boys. Oh, j'ai le tourbillon. Ok, j'attaque. Ok. C'est bon. Impressionnant, trois bonnes réponses et pas des moindres. Tu es décidément plein de ressources aux voyageurs. Allez, juste ouvre la face, come on! Il y a dans ce pays une pièce dont l'accès nécessite de porter une tenue spéciale. Quelle est cette tenue? Un caleçon. Non. Un maillot de bain. Non, non. Tenue à Aloha. Voilà. C'est exact, mais le savais-tu vraiment? Et c'est la première tenue qui vient à l'esprit, plutôt le maillot de bain ou la tenue de pirate ou même le caleçon. Ne me dis pas que c'est la chance de l'ignorant. Tu as deviné à vous, espèce de devineur. Il est en train de m'insulter, ce gars-là, man. Wow. Il est crazy. Attends, faut que... Ok, comme ça, c'est bon. Une vraie sanguine, bien, finissons-en. Prépare ta dernière réponse, devineur, car voici ma dernière question. I'm ready, boy. Pourquoi suis-je ici? Tu t'es perdu, tu es tombé pour me questionner, pour te baigner. Quoi? Je reste sans voix.
Tiens, prends son voyageur et dégarpez. Ous! Quoi son problème? Yo, this guy, man! Et là... Wow! Y'a une graine ici que je dois ramener. Super méga ultra là. Est-ce que vous êtes sérieux, man? Attendez. Je sais même pas si je pourrais revenir, voyons donc. Et là, André, une face qui fait peur ici, vous ne trouvez pas? Oh, attends, il y a des pièces ici que je peux pas les manquer, voyons donc. Même si je perds des vies, ce n'est pas si grave. Bon, il veut que je ramène ça tout au fond là-bas. Est-ce qu'ils sont sérieux? Oh, j'ai une idée. Je sais pas si cela va marcher, mais... Ah, ça marche. Oh, fuck my life, man, ça n'a pas duré longtemps. En même temps, je vais voir si la lune a été éclos, si je peux dire ça comme ça. Oh, ok, fuck that shit. En tout cas, c'est juste à côté, man. Ah, la lune n'a pas encore fleuri. Pourquoi j'ai dit éclos? Est-ce que tu es con, man? En tout cas, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!